Ce matin, la nuit a été longue, les gars et les filles ont bossé toute la nuit. On a démonté le safran et le casque, donc qui était cassé, c'est la pièce qui permet de remonter et de redescendre le safran. Donc là, il y a des strates et des pièces métalliques à réparer ou à reprendre. Là, il pleuvait, donc on a fait une petite tente. Il y avait de la strate aussi à faire sur le bateau, et donc tout ça, ça a bien avancé. Il y a aussi des pièces à vérifier en électronique là-haut, les girouettes là, parce que ça, j'avais perdu des informations pour les pilotes, donc voilà, tout ça, ça a bien avancé. Good job de notre équipe là, parce que ça a mis du temps, et voilà, ça vaut le coup en tout cas, ça n'a pas arrêté, une vraie fourmilière, donc vraiment je suis content, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on a une bonne équipe. Et c'est pas mal, non? C'est reparti. Donc là, on a fait le plus dur. Content de repartir quand même. Et puis après, bah, va falloir tout donner, hein. On n'a pas le droit d'abandonner aussi facilement que ça. On essaye de sauver des petits enfants, c'est bien plus dur pour eux le combat, donc nous, moi je vais aller jusqu'en Guadeloupe. C'est reparti.